Fox, Sierra Echo, je débute la finale 36. Le moteur, il est en tour. Ralenti. Un peu bas, mais ça tient. Parfait, biformé. Allez, avant, à immense flaps. Sur 1, trim, on a mis sur 3, un peu en avant, parce qu'on est centré. Arrière, fuel, c'est assez riche. Réservoir ouvert, fuel pompe on, pression dans le verre. Transpondeur sur alt. On va mettre les landing lights. Hop. La verrière est surfermée et verrouillée. Ceinture rattachée. La finale, bon, on va attendre qu'il passe, mais ce sera clair. Aucune sécurité en cas de panne mineure avant la rotation. J'ai réduit le frein, je m'arrête sur la piste en cas de panne mineure. Après la rotation, on fait un circuit adapté. Dans le cas équipement, ici, ce sera un circuit basse hauteur, main droite pour la 36 à 1000. À bord et... du novembre 001 pour l'essai radio. 5 sur 5, Fox Nord. Fox Capitolo. Merci, 5 également. 4 pannes majeures après la rotation. On réduit, on se met, enfin on réduit, non bah non, pas de majeur après la rotation, on rend la main, 135, 135 km/h et on se pose devant plus ou moins 30 degrés, c'est parti. Pour que Fox Québec Zulu, on pénètre la piste 36. La finale est claire. Ah, il trace de fou lui. On va mettre la un peu plus haute parce que la pression on m'entend pas. Sierra Echo, je refais une vente arrière pour la 36 main droite. Ok, donc on a vent dans l'axe. Hop, on se cale au QFU. Ça, c'est verrouillé. Il est 57. Bon, que Fox Québec, je décolle piste 36, dur. Ok, puissance disponible. On est actif. Pas d'alarme, on poursuit. En 10 km/h, rotation. Un peu de pied. Sierra Echo, je passe en bas pour la 36, main droite. J'ai copié novembre 001, je vais me mettre en stationnaire et transmettre pour la 36. De 100 pieds, pompe, phare, volé. Donc, Fox Québec, niveau 200 pieds, monte initiale, montée vers 3000 pieds. Il fera les installations pour, par le nord à destination de Monceau. Sierra Echo, dernier virage et début de finale 36. Allez, on va commencer à prendre progressivement notre cap de 83. C'est Québec de l'emploi des axes nord à environ 1,5 et 900 pieds en montée.
Ouais, une visée un peu pérave quand même, hein. Putain. Voir ce que ça donne, puis si jamais on reviendra. Ce Québec de l'objectif cherche les fréquences. À tout à l'heure, au revoir. Au revoir. Merci. Québec novembre, appel. Québec kilo, j'ai compris. Est-ce que vous pouvez me contacter sur 133 décimal 15 133 décimal 15, pour ça, Québec kilo. Québec Zulu, bonjour, passez votre message, bonjour, c'est 5. Bonjour, c'est le Fox de Golfe Juliette, Québec Zulu, un DR-400, une personne là-bas en provenance de Bourg, à destination de Mont-Soleil. On est actuellement 2800 pieds, transpondeur 7D. Québec Zulu, 7030. 7030, au transpondeur, Fox de Québec Zulu. C'est correct, QNH à Lyon, 1015. QNH 1015, Québec Zulu. Je peux suivre 125, on est pas roulé. 8-5 reçu, relation 9 est là de près. Bon, relation 9, on appelle près, je passe sur le centre. Sur les 80-68, tournez à droite au cap 050, je vais aller 09. Par la droite, 050. Ah, ça se dégage un petit peu, on va pouvoir peut-être. Ouais, à droite, le cap même 070 à présent est autorisé, il y a les 09. 070 et il y a les 09. On a passé Bourg, on va pouvoir se mettre tranquillement. Hop. Golfeco, 7000 transpondeurs, au revoir. Et 7000 dans la boîte, c'est bonne fin de journée. À vous aussi. Dans la boîte. Bien ça. Allez, on a Macron en face. On va se pouvoir se mettre 119-00. Votre papa Oscar, sortie de secteur, transpondeur 7000, au revoir. 7000, au revoir, on est en train de rendre revenir, là, donc on peut se passer. D'accord, et eh ben oui, dans ce cas-là, rappelez pour passer avec vous. Donc, à 10, 11h10, théoriquement, on devrait arriver à un mal. Ouais, donc c'est ça, on suit l'autoroute. Ouais, on est bien. Vers 3000 pieds, si on peut. On suit l'autoroute, ça c'est bien. Ok, et puis sur Garmin, c'est bon. Play with your kid, 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 play with your kid
c'est votre piste. 35 droite ou 135 gauche, présentez-vous en vente arrière et vous voyez une option comme celle. Maintenant, on est passé avec eux sur le bon chemin. Eh ben, c'est super gentil, on va prendre la 35 droite. Prochain cap 312. Québec Zulu, transpondeur 7000, la suite avec Saint-Pierre, au revoir. Transpondeur 7000, la suite avec Saint-Pierre, au revoir, merci beaucoup, bonne journée. Saint-Pierre de mémoire, c'est 1, 2, 3, 4, hop. Post-check. Oui, Saint-Pierre 1, 2, 3, 4. On est vertical, il est 11, on a une minute de retard, ok. Allez, cap 312, on va monter un petit peu. Donc une arrivée prévue dans 16 minutes, donc à 27. Donc théoriquement 11h27, il avait dit quoi lui Garmin? Ouais, globalement, je pense que ça va être ça. Hein. Et exactement 3500 pieds. Bas. On peut se mettre de l'eau. On circule une fréquence en bas. Macron, mon sauf, c'est ça? Le terrain de départ, c'est Macron? Je vous remercie, c'est 45-17, transpondeur. 45-17, au transpondeur, c'est avec vous. Là, ok. Je prends un petit peu ça. Hussard de Saint-Jean. Ah, c'est Cavoc. Je ne m'étonne pas. On va s'attendre à du Cavoc. Moi, ça va se mettre l'avenir ici. On passe un peu par là.
Ça arrive à peu près dans 11 minutes. Un peu les paramètres moteur. Température du long et tout. Et on a toujours la bonne autonomie. Hop. Zulu Québec identifié radar, transit approuvé. Non, Québec Zulu identifié radar, le QNH 1016. QNH 1016, transit au Québec Zulu. Bon, étant donné qu'on est environ 10 minutes du terrain, on va se faire un briefing. Arrivé. Ok, donc. À mon avis, vu le vent qui vient. 35 nœuds, donc il est plutôt calme. Monte. Le vent. Ok, axé nord. Je pense qu'on pourrait envisager 27, voire une. 09, à voir avec la manche air. Donc dans tous les cas, tour de piste 2000 pieds vertical, 2500 pieds. La fréquence est de 123.5. Ok, on évite une agglomération de pouillou. Ok, ça marche. Des installations. Bon, rappel en vue, c'est en retour. Les champions, les fois que les gens sont fatigués, parce qu'avec une action, on a envie des installations. Oh, c'est pas trop, c'est à vous signaler sur le radar. Transformer sur 7000, c'est au revoir. Transformer en VSR, au revoir. Bonjour, je suis Fox Juliette Québec, Zulu, bonjour. Merci d'avoir une personne à bord en provenance de Burkina Fox Hotel, c'est à la destination de vos installations. On est actuellement 3 minutes en descente. Vertical estimé dans 30 secondes. Oh, on a peut-être pas. Hop. Centrale nucléaire alors ? C'est bon. Allié attente.
Nice. On va se poser en 27. Ouais, on va se poser en 27. Ça me paraît bien. Vraiment cher. Ah, quoique. Posé en 09. Allez, c'est parti. Bonsoir du Fox Québec, Zulu, on est vertical 2500 pieds, on va se reporter en vent traversier pour la 09. Donc, notre petit éloignement derrière. Hop. De ce que j'ai vu, ouais, on va passer derrière Fouillou. Le petit truc. Pas grand. Hein. Les mines Pouillou, c'est pas très grand. Hein. Bon, il est 28. On a dû les passer à 27. On est à l'heure. C'est parfait. On est à l'heure. 2000 pieds. Arrivé à la rivière, on virera pour la 09. Donc, la rivière. Donc, juste avant la glo de Cyril le Noble. Ah. Ouais. Allez, 29, une mine d'éloignement, c'est fait. Bonsoir du Fox Québec, je dois revenir en traversée pour la journée. Encore un peu d'altitude. Les 2000. Bonsoir du Fox Québec, le vent est 2000 pieds, début de vent arrière pour la 09. Allez, PPV pompe les phares flaps sur 1. Voilà. Mine de rien, ça a l'air d'être un petit terrain sympa. Ok, donc à la rivière, en fait, c'est avant, ouais, Cyril le Noble, c'est en face. Rivière qui arrive là. Ouais, et nous, c'est à la rivière. Pour... C'est Saint-Georges, c'est avant arrière, on passe à la petite piste. Michel-Saint-Georges, je suis jamais allé. Ah. On est bien. Et 140 km/h. On peut passer. Vente arrière, étape de base, c'est une base plutôt rapprochée quand même par là. Ouais, bon, après la piste 900 mètres, on est bien. Ok, ouais, la petite rivière, c'est sympa d'ailleurs. Bonsoir du Fox Québec, de l'on vire en étape de base pour la journée. Semaine en squad, Fogo Hotel, on a quitté le circuit au cap 150 au circuit de Semaine en squad, 2700 pieds. Semaine en squad.
plus calme, le Vario. Allez, on va virer. Bonsoir, Foxy au Québec, on est en finale 09 pour un complet. Allez, vitesse retenue, on va se prendre 130. Demi-tour sur la raquette, au fond. Absolument. Parfait. Posé long, hein, de son 100 mètres. Parfait pour un. Hein. Okay. Oh. Non, en buté pourtant. Un peu dur quand même. Tiens. Allez. Donc c'est avec Zulu, vitesse maîtrisée, on fait un 180 sur la piste et on dégagera. Parce que j'ai arrondi légèrement trop haut. Un peu trop haut. Ah, on a une alerte de température sur la GoPro. Bah, on va l'éteindre. Ah, bah, elle s'est éteinte toute seule. Nickel. On a l'aéro 7 qui s'est éteinte, donc du coup on va poursuivre avec la petite aéro. Bon, c'est l'autre fois que c'est Québec, je vous piste à dégager. Je pense que c'est l'eau, par contre, pour quitter. Au revoir, tout à l'heure. Bon, eh ben, nous sommes arrivés à Monceau. J'ai coupé, la Aero 7 s'est coupée. Parce que je pense qu'elle a surchauffé. J'avoue que c'est la première fois que je l'utilise pour la vol, parce que je viens de l'acheter. Et je ne pensais pas que ça surchauffait. Puisque l'autre, la petite, celle-ci, elle est pas très chaude. Après, c'est une vieille de 2014. Mais voilà. Donc, on est arrivé à Monceau. Terrain plutôt sympa, je dois dire. Avec un mirage que je vais vous montrer de plus près. Je pense que je vais sortir, me dégourdir les jambes un petit peu, saisir le vol. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, la première, puisque après je pense que je ferai plus des vidéos axées vlog sur des terrains de destination un peu plus sympas. Parce que je vous avoue que Monceau-les-Mines, ça doit pas non plus être... c'est pas la folie quoi comme terrain. Donc voilà,
J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à plus. Donc voilà, mettez un like, un commentaire, ce que vous voulez, partager la vidéo. Allez, ciao.